Le syndrome du sauveur, comprendre ce trouble psychologique. Le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui se caractérise par un besoin de recevoir de la reconnaissance et de la gratitude constamment de la part de son entourage. Les personnes souffrant de ce trouble ont un désir de se sacrifier pour les autres en faisant preuve d'empathie. Ces personnes ont souvent des problèmes de confiance en soi et une estime de soi très faible. Elles ont en général un penchant pour les professions liées à l'aide d'autrui comme les métiers du secteur de santé. Bien que les sauveurs soient souvent confondus avec des personnes altruistes, il existe de nombreuses différences entre les deux. La distinction la plus importante réside dans le fait que le sauveur n'a pas de limites et peut se sacrifier, ainsi que ses propres besoins, pour satisfaire autrui. En revanche, une personne altruiste fait preuve de générosité et d'empathie dans les limites de ses possibilités. Il existe plusieurs catégories de sauveurs, telles que le sauveur abîmé, le sauveur empathique et le sauveur terrorisant. Le syndrome du sauveur peut avoir des conséquences négatives sur la vie personnelle et professionnelle des personnes qui en souffrent.